Bonjour, bonsoir les Funky, c'est Funky Black au micro pour la suite de notre superbe aventure sur FunCube avec Minecraft. Oh oui, vous avez vu déjà que le comment dire, le menu principal Minecraft a changé. Et oui, j'ai changé de texture pack pour essayer un petit peu d'autres texture pack. Un texture pack, je l'ai essayé depuis longtemps, longtemps, le fameux Painterly Pack, qui a été d'ailleurs beaucoup utilisé à une certaine époque, je sais pas s'il l'utilise encore. Par Bob Lennon, le fameux pack qu'on peut personnaliser un peu sur les chaque item, chaque monstre, enfin voilà, qui est ultra personnalisable et qui est hyper loin personnalisé. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu à l'arrache pour faire un test et faire même un test avec vous pour savoir si vous aimez ça. Mais bon, les principales choses à changer, je les ai changées pour voir ce que ça fait et on verra simplement ensemble. Moi aussi, je découvre un petit peu comment ça va se faire. Et puis je vais être encore une fois avec Monsieur N5. Salut N5! Salut, salut! Toujours présent, toujours sur Terre-Terre, il commence à Toujours polluer ma là. chaîne, j'aime pas trop ça. Non, je déconne. J'avoue. Non, et puis ça rajoute un petit peu plus de. Voilà, vous rendez compte qu'il y a vraiment une funky Steam, les gars. Ouais, c'est ça. Je pense que là. À défaut d'être sur la chaîne, notre chaîne de Funky Steam, on fait des crossovers, quoi. Ouais, voilà. Et puis là, vous vous rendez compte vraiment que. Parce qu'avant, on faisait pas ça du tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est plutôt bien ça. Mais après, on reprendra les vidéos sur la chaîne, il faut qu'on se mette bien en ordre de bataille et puis ça repartira. Voilà. On est chaud. On est chaud de toute façon en ce moment, je Voilà. pense, tous les Donc, deux. voici le Painterly Pack. Oui, c'est un petit peu particulier au début parce qu'on ne connaît pas, mais c'est vraiment, mais vraiment, vraiment sympa. Les items, c'est vraiment très, très beau. Vous voyez, l'épée en diamant, là, il est vraiment super bien fait. Par contre, pour la hache, c'est un petit peu de l'art contemporain, mais bon, c'est quand même pas mal. Enfin, la hache, non, ça, c'est plutôt la pioche. La pioche qui est plutôt un peu art contemporaine, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et aussi, la montre, elle est magnifique. Hein. Bah, bon. Enfin, bref. Il y a beaucoup de. C'est une Rolex. Non, Ah, ça avec ressemble. lui, pas de marque. Donc, poupilou pilou. Oui, donc, à savoir une chose, c'est que. J'ai fait du hors-record un petit peu, hein. Bon, pas beaucoup, beaucoup non plus pour pas trop, trop, trop vous léser, mais j'ai fait du hors-record et il y a beaucoup de choses que j'ai découvert, enfin, surtout une chose, dont on va aller voir directement, donc on descend dans la Moria. Je vais vous montrer ça. Ah, la Moria. Donc il faut juste que je me trompe pas de sortie parce que maintenant j'ai fait même presque plusieurs sorties, quoi. Faut pas que je me trompe, je crois que c'est encore un peu plus en bas. Et je vous garde la surprise, hein, je vais pas vous dire ce que j'ai découvert. Mais c'est quelque chose, disons que il y a des choses à faire, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je crois que c'est par là. Ah, commence pas à te paumer, hein. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Ah, merde, tu m'as devancé. Eh oh, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le fais. Bon, bah, moi je vais en profiter pour faire un petit peu de montage. Ah ouais, il est toujours occupé aussi, le N5. Ah, mais surtout en ce moment-là, ça n'arrête pas. Ah, vous voyez ici déjà même la gueule de la. De la redstone, elle est bien différente. J'ai hâte de Ça voir fait un ça. peu zarbi. Enfin, ça fait un peu zarbi quand on connaît pas, mais vous allez voir au fil du temps, quand on va s'y habituer, ça va le faire. Moi, j'attends surtout de voir la gueule des pastèques avec ce pack de textures, parce que les Ah, lui, les pastèques, pastèques, c'est même plus possible. Oui, les c'était pas pastèques vont ça. être bien. Enfin, dans ce que j'ai pris, en tout cas, je pense que ça va être mieux. J'espère. Nous verrons ça, je te dirai ça. Il va me juger. Vous nous direz ce que vous en pensez, la comparaison entre les Vous serez pastèques noté par le public. de... Il s'est cru dans un jeu TF1. Alors, est-ce que c'est ce fichier? Alors déjà, bon, vous avez vu que je me suis un petit peu arrêté en chemin pour aller chercher du charbon, mais je pense que les gens déjà ont découvert, parce qu'ils ont vu de l'œil un peu sur le côté ce que j'ai découvert. Bon, je vais pas vous faire tenir le suspense plus longtemps, ça sert à rien, car je suis tombé, avec beaucoup de chance, on peut se le dire, sur une mine abandonnée. Eh Ah oui, bah ça une va toi. chère mine abandonnée. Et ça fait plaisir, c'est vraiment très très bien, parce qu'on peut faire plein de choses différentes, il y a évidemment beaucoup de dangers, c'est hyper 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 labyrinthique. Une mine abandonnée, on peut vite, va-t-il facilement se perdre, vous avez vu, j'ai fait un petit peu de repérage avant, histoire de quand même. Voilà quoi, pas trop trop me perdre au début. Et quoi d'autre? Il y a beaucoup de ressources à découvrir. Et si on fait pas gaffe, on peut se perdre assez rapidement. Heureusement, j'ai quelques petites astuces pour ça, pour pas trop me perdre. On Bien va faire joué. gaffe quand même. Ah, vous voyez ici, c'est l'une des fameuses exclusivités entre, on va dire entre guillemets des mines abandonnées. Ce sont les fameuses comment dire, les fameuses petites araignées qui empoisonnent. Ah, il n'y a que ça dans les mines, c'est ça? Non, il n'y a pas que ça, mais Non, je veux ça fait dire, mal. c'est Ah, que dans les mines qu'elles y sont, quoi. ouais, voilà, c'est que dans les mines qu'elles y sont. D'ailleurs, je vais vite casser le drop, enfin le dropper,
Ah non, il faut que je casse avec une pioche, je crois. Voilà, je l'ai cassé avec une pioche. A savoir que vous avez vu que, le, que la texture, d'ailleurs, des... comment on appelle ça déjà, je sais plus. Ah, des spawns, voilà. Des spawners sont un peu zarbi. Ça fait partie du fait que j'ai fait un peu le truc à l'arrache. De toute façon, je le changerai, hein, le pack de texture. C'est juste histoire de... Ah oui, aussi une autre technique pour virer toutes les toiles d'araignée qui vous ralentissent et tout. Mettez un petit peu d'eau au-dessus et tout ce qui est à côté se barre. Vous avez vu, hop, vous mettez de l'eau et tout se barre. Putain, j'ai rien compris, il va falloir que je regarde ça. Bon, bah, il faut regarder la vidéo en même temps. C'est un petit seau d'eau, vous mettez le petit seau d'eau juste au-dessus de tous les... de tout le tas de toiles d'araignée et toutes les toiles d'araignée se barrent avec le courant de l'eau. Et ça, c'est plutôt sympatoche. Ça vous permet de gagner du temps et pas tous les casser à, la... à l'épée comme je fais. Enfin, c'était l'astuce du Black, Funky. Pin. Enfin voilà. Il faudrait qu'on fasse un jingle pour ça. C'était l'astuce de Funky Black. alors, de toute façon, après quand je remonterai, j'ai aussi fait un petit peu de pêche, histoire d'avoir un petit peu de poisson et donc un petit peu de nourriture. C'est quand même l'été temps, je pense. Bon, avec tout ce fil là, je crois. Oh non, j'ai du poisson. Alors bien goûté. Voilà, j'ai... Trop de références au Seigneur des Anneaux dans ce. On aime trop le Seigneur des Anneaux. Dans ce Minecraft. Grave. Alors. Donc, histoire de. Il y a une technique pour pas se perdre dans les donjons. Enfin, dans les donjons, pardon, pas dans les donjons. Dans les mines abandonnées qui est très fastidieuse, c'est de virer tous les blocs de bois. Comme ça, quand vous savez que vous avez viré tous les blocs de bois, c'est que vous êtes passé par là, c'est clear, c'est clair. Mais disons que c'est un peu fastidieux et que bon, j'ai pas 150 000 haches aussi à utiliser. Donc moi, la technique que je vais faire, c'est de mettre toutes les torches sur le côté... c'est mettre toutes les torches à droite. Voilà, ça veut dire que si je, si je cherche le chemin retour, j'ai juste à avoir toutes les torches à gauche. Donc ça marchera. Oula, je sais pas trop. Hein. Si, tu connais pas cette technique ? Si, la fameuse technique dans les labyrinthes. J'attends de voir... Le résultat. Ah, t'inquiète, le résultat va être bien. Oui, je suis un peu sceptique, c'est vrai, mais bon. À peine. Sinon, si vous arrivez à mettre des, comment dire, des petites astuces pour vous y retrouver, genre des, comment dire. Moi, je sais pas si tu sais, moi j'avais mis des pancartes, mais ça n'avait pas très bien fonctionné. Des pancartes. Ouais, ah, j'ai vu passer un zombie. Vous avez vu, la texture aussi du zombie est différente. Les zombies ont une tête différente. Là, ce sont de vrais zombies, ça veut dire qu'ils sont pas tout verts, mais ils sont carrément rouges, sanglantés. J'ai hâte de voir toutes ces textures. Enfin, voilà. Je pense que tu vas aimer N5, c'est particulier. Bon, attends que les pastèques sont mieux faites. Après, les pastèques, ça devient chiant. C'est le mec obsédé par les pastèques. Je n'ai pas encore vu les pastèques. Vous avez vu que là ça hule dans tous les sens, il y a des zombies de partout, il doit avoir un spawner aussi à zombies, ça se trouve. Pendant ce temps-là, je récupère un peu de charbon. Ah, il y a un... oh, il y a deux zombies qui me sont tombés dessus là en mode gangbang. Ah oui, carrément. Ah, ils vont me tuer, ils vont me tuer, en plus ça continue, ils vont me tuer. Oula. Pas de con, Philippe. Il me reste plus que deux cœurs. Un cœur, pardon. Bon bah, je vais bouffer. Et je vais m'enfermer, et je m'enferme là. Voilà, le temps que je récupère ma vie. Pendant ce temps-là, je mine. Oula, il y a beaucoup de charbon dans le coin là. Wow. Date filon de charbon. C'est bien. Ok. Donc maintenant, on attend que la vie remonte parce que j'entends des. Depuis tout à l'heure, des zombies hurlés, là. Ouais, faut aussi que je change la texture des pierres... de la cobble, plutôt. Parce que, bon, on reconnaît pas vraiment que c'est de la cobble. Ça, je changerai aussi. Et j'attends que ma vie remonte, et j'ai déjà plus de... Oh là là, la saturation du pain est vraiment... naze. Le pain. C'est bon, le pain. C'est bon, la lampe basse, mais bon, quand même. Bah, à force, c'est pas terrible. Alors, waouh! Ce tas de zonzons qui m'attendent à la sortie là. Regardez-moi ça, je vois plein de pieds de zombies. Mais bon, il y a une petite technique aussi pour taper les zombies sans qu'ils puissent vous taper eux-mêmes, c'est de laisser un petit, juste un cube de différence sur vous.
Histoire de que... Oula ! C'est quoi ça ? Ah, je crois que c'est des... Ah, c'est des mini-zombies ! Oh, c'est mignon. Ah, des mini-zombies. Il doit avoir un spawn quelque part. Je sais pas où il est ce spawn, mais il est quelque part. Non, j'arrive pas à zombie. Ah, c'est pas vrai. Allez. Il y a plein de zombies qui me tombent dessus. Oh, il a droppé une carotte. Oh, c'est bien ça. J'ai une carotte. T'aimes ça, hein ? Arrête, c'est bon. Grâce à ça, je vais pouvoir faire des élevages de carottes, donc des élevages de cochons. Des élevages de carottes ? Oui, des élevages. Pourquoi j'ai des élevages de carottes ? On est d'accord, ça m'a un petit peu perturbé. Des plantations. Des plantations de carottes pour pouvoir faire un élevage de cochons. De la semence de carottes, on pourrait dire, si on avait l'esprit mal placé. Ce qui est ton cas ? Non, pas du tout. À peine ? Puisque j'ai précisé. C'est que je suis conscient de la chose. Si on a l'esprit mal placé, mais parce que j'ai l'esprit mal placé, évidemment. Non, pas du tout. Absolument pas. Il essaie de nous la faire à l'envers, mais tu ne la feras pas à l'envers. Rien du tout. Forcément, ça parle de carottes, ça parle à l'envers. Voilà, voilà. Bravo, bravo, Monsieur Black Funky. Voilà, c'est moi qui commence. Il est l'esprit mal placé. Vous avez vu, c'est lui qui a fait le qui a fait l'allusion là. Allez. Là, je récupère de l'or, monseigneur. Voilà. Et ouais, ça commence à devenir vraiment labyrinthique dans le coin. Oula. Ah, en plus, il y a encore un spawn à araignée qui empoisonne. Ça, j'aime pas trop ça. J'aime pas les araignées non plus. C'est dégueulasse, ces araignées. La saloperie. Les araignées, c'est dégueulasse. Ah, vous avez vu aussi la nouvelle gueule des squelettes. Ah, même les squelettes, putain. Ah, bah tout, ça change tout. 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 Tout, monsieur, tout. T'es fainéante. Pardon. Vous avez vu aussi qu'on a de très bonnes références musicales. Ah mais de ouf, hein. Ah ouais, on se fout pas de votre gueule, hein. Là, je me sentais obligé de la faire en mémoire du bon vieux temps. Ouais. Dans le bon vieux temps, ce truc, c'est qu'il est surtout vieux, quoi. Surtout vieux, ouais. Ça, alors... Oh, c'est magnifique. Je me rappelais pas avoir fait ça. Il est en train de s'auto-congratuler. Ah, j'essaie de virer l'eau, là. Allez, hop. C'est bien. Et... l'eau. Non, là, c'est chiant. Là, c'est chiant, monsieur. Ouais, je viens juste d'aggraver la situation comme un gros noob. Bravo. Tant pis, c'est pas grave. Ah, là, il y a donc un squelette, donc je vais prendre mon arc. Est-ce que j'ai des flèches ? Oui, j'ai 4 flèches. Ça c'est bien. C'est pas trop mal fait, d'ailleurs, l'arc, dans Minecraft. Ouais, même là, l'arc, il est beaucoup mieux, là, dans le Painterly Pack. Genre, c'est un arc à poulies de et ouf. Et voilà. Non, bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais moi, je l'aime bien dans la texture Painterly Pack. Il est bien fait. Alors, continuons. Le truc, c'est que je vais presque pratiquement finir par me perdre. Hein. Non. Je sais d'où je viens, vous inquiétez pas, et je sais où je vais. Toujours se souvenir d'où l'on vient. C'est très important, les gens, souvenez-vous. Hein. Ouais. Et en même temps, je vais récupérer du fer, parce que c'est surtout ça, c'est pour ça que je... J'aimais le double sens de la phrase. Bah oui. Parce que nous, on vous apprend des choses. Voilà. Je viens de Kibla qui est chez 9-5. D'ailleurs, une chose, un petit moment pub pour mon Ammonium 5 quand même. Ah, c'est gentil. Fait en ce moment à Waffle sur Watch Dogs. Ah, c'est très gentil. Et franchement, moi je suis à fond dedans. À ce moment-là, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, franchement, moi. Ah, c'est cool. Parce que je voulais. En fait, le truc que je t'ai pas dit, c'est que je voulais découvrir ce jeu moi comme ça. Le fait que tu fasses Waffle dessus. Ouais. Je sais que moi, ce genre de jeu, ça sied bien à N5, on va dire. C'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de jeu. Ouais, voilà. Et donc, je vous conseille vraiment de regarder ce Watch Dogs, par le biais de N5, pas de n'importe quel autre YouTuber, mais de N5, nom de Dieu. C'est gentil, c'est très gentil. Hérétique. Ils ont beau être 150 000 à le faire, à faire des waifus sur Watch Dogs. C'est vrai, le problème, c'est que maintenant, ça devient tellement commun. Mais personne ne le fait comme N5, nom de Dieu. C'est gentil, vraiment, je suis touché. C'est normal, il est où mon billet maintenant? Bon, non, je déconne. Vous voyez, il s'est perdu dans le milieu. Ouais, bah, il a vendu son âme. Ouais, c'est vrai que nous on vend toujours notre âme. Toujours. Ah, oh, superbe Enderman
qu'évidemment je ne vais pas regarder, à part pour vous peut-être vous montrer une petite technique, encore une fois encore, pour battre un Enderman. Bon, cette fois c'est merci The Fantasio 974 pour cette technique, mais qui est vraiment très très utile. Bon, le temps que je récupère les minerais, puis après je vous en parle. Tu tombes très bien, Enderman. Hop, hop, voilà. Alors, es-tu encore là, Enderman? Je te vois, tu es là. Et en plus, il y a un zombie qui arrive sur moi. Saleté de zombie. Voilà. Ok, donc, ce que vous allez faire, observez bien. En même temps, j'écoute du lapis-lazuli, voilà. Donc, encore un autre zonzon qui m'interrompt. Ah, je crois savoir où il est le spawn à zombies. Le squelette qui tire dans le dos des zombies et donc les tue à ma place. Ça s'est fait plaisir, ça. Donc, désolé si je m'interromps. Là, c'est pour récupérer ce qu'ils ont droppé. Voilà, voilà. Alors, j'espère que tu t'es pas barré, Enderman. Il est là. Ok, donc, en ce qui concerne la petite technique, vous allez creuser dans les parois. Vous allez laisser... un bloc de différence de hauteur, ça veut dire que vous vous mettez juste dans la paroi, vous creusez deux blocs, comme ça. Hop, voilà, voilà, voilà. Voilà, et voilà, comme ça. Et je tombe, c'est parfait. Nickel, bravo. Dans un trou que j'ai même pas vu venir. Bon, je vais remonter, hein, c'est pas grave. Hop, hop. Voilà. Zut. Ah non, l'Enderman s'est barré. Ah, il est là, l'Enderman, pardon. Oh non, plus j'ai tout foiré, là. Zut. En faisant ma petite paroi, là. Zut. Bon, on va recommencer. En plus, vous entendez bien le bruit de l'Enderman bien chiant. Qui te met la pression. Ok, alors, je vais reboucher ce trou dans lequel je suis tombé. Hop, hop, et hop, voilà. Donc, voilà. Donc, vous laissez un cube de différence comme ça, juste au-dessus de votre tête. Le cube est juste au-dessus de votre tête, comme ça. Vous laissez un autre espace, comme ça, hop, hop, et hop. Voilà. Parce que, à savoir qu'un Enderman, lui, fait 3 cubes de hauteur, alors que vous, vous en faites que 2. Donc, vous vous terrez dans un petit coin comme ça, là où il y a juste 2 cubes de hauteur, et comme ça, il ne peut pas vous taper. Maintenant, il reste plus qu'à le regarder, l'Enderman. Où es-tu passé? On va passer de la théorie à la pratique. Il est là. Regarde-moi! Regarde-moi, salopio! Il m'a vu! Allez, on court maintenant. Courez vers votre petit piège. Voilà, l'Enderman arrive vers vous. En fait. Et l'Enderman, ce con, il est tombé. Il n'y a pas que moi qui suis con. Bon, il faut aussi qu'il se téléporte sur moi, comme ça. Allez, t'es où, Enderman? Ah, il est con. Hein. Ah, il est pas doué. Hein. Enderman, je suis là. Bon, bah... Le truc, c'est que là, je peux le taper sans problème, mais j'ai envie de vous montrer comment ça marche. Ça m'énerve, ça. Bah, attendez, je vais l'aider. Je vais aider un Enderman, lol. Pas bien, fais attention. C'est dans heureux. C'est dans heureux, Philippe. Voilà, là, j'ai fait une... Là, j'ai bien ouvert le coin, donc ça, il devrait venir quand même. Non, il vient pas. Vous savez quoi, ras le cul, tant pis. Au moins, vous connaissez la théorie. Mais je sais pas si je pourrais vraiment vous montrer la pratique, par contre. Ah, il est là, l'Enderman, mais il est bloqué. Cet idiot-là. Bon, je vais le taper, je crois qu'en le tapant, ça va le réveiller. Bon. Hop. Ah, il est là. Même, vous avez vu, vous mettre en hauteur, là, il vous touche pas, l'Enderman. Ah, il m'a tapé. Et en plus, il m'a fait tomber, mais c'est pas grave, je l'ai tué, et j'ai pas pu vous montrer. C'est pas grave. C'est chiant, mais bon, vous connaissez la théorie, quoi. Et croyez-moi, ça marche, puisque l'Enderman, comme je vous dis, je vous le répète, il fait 3 blocs de hauteur, vous n'en faites que 2, donc vous vous terrez dans un endroit où il y a que 2 blocs de hauteur, comme ça, il peut pas vous toucher. C'est de la logique. Bon. Je crois que je vais tout simplement me tirer d'ici. Hein. Voilà.
Et comme vous le voyez, là, toutes les torches sont à gauche. Donc, je peux rentrer tranquillement à la maison. Et voilà. Et là, je me souviens bien que c'est l'endroit dans lequel je suis rentré. Et l'endroit dans lequel je vais ressortir. Ok. Donc, je remonte pour me faire de la nourriture, du pain, toutes ces bêtises. Du pain. La lambasse, plutôt, pardon. Ah, j'aimerais presque le renommer, ça. Et de mettre lambasse à la place. Ok, à savoir quand même que j'ai 31 points de... 31 points de, d'enchantement. On va faire des trucs sympas avec. Directement enchanter mon épée en diams et ma pioche en diams. T'es un peu un mec bling bling. Bon, j'ai pas beaucoup de diams non plus, hein. Ah, dans la bling blingité, y a mieux. La bling blitude aussi. Ouais. Et j'entends un bruit que j'aime pas trop. Ce bruit, ça s'appelle la pluie. Ah ouais, y a de la pluie là, ça pleut bien fort ça. J'ai envie de dire ambiance Quimper. En Bretagne, il ne pleut que sur les cons. C'est pour ça qu'il pleut tout le temps là-bas. Je comprends pas d'ailleurs cette comment dire ce proverbe. C'est un peu vous auto-clasher, non? Enfin, j'ai l'impression. C'est les gars énervés, quoi. Alors, est-ce qu'on on va pouvoir voir des pastèques? Déjà, on voit les pastèques en morceaux, comment ils sont. Je pense que N5 appréciera parce que c'est déjà beaucoup mieux fait. C'est plus réaliste. C'est déjà un peu mieux. C'est un verre plus profond. C'est un verre plus profond. Non, en fait, la chair de la pastèque est un peu plus pâle. D'accord. La chair est plus pâle, mais comment dire, la peau verte est beaucoup mieux faite. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Je soumettrai mon vote, hein, de toute façon. Comme tout le monde. Voilà, il fait encore n'hésitez nuit, pas, hein, n'hésitez pas à y aller sur les pastèques. N'hésitez pas à me faire chier là-dessus, hein, évidemment. Bon, faut que ce soit précis, bordel. Vous êtes chiant. Allez, je fais fondre ce que j'ai récupéré. Ah ouais, j'ai aussi récupéré de l'or. Bon, je vais attendre que d'avoir fondu le fer, pardon. Oula, j'ai eu du mal. Ou sinon, je me fais un troisième four. On va crafter un troisième four. Hop, un troisième four, ça fait plaisir. On va le fourrer dans le mur. Voilà. Ah. Hop, et on va mettre l'or à cuisson. Ça, je vais mettre le lapis dans le coffre. Je réunis les graines. Les pousses sont là, j'ai 13 lingots d'or. Et je crois que c'est bon. On est ok, le jeu arrive comme ce qui est montré sur ma superbe montre Rolex du luxe de la mort qui tue. Je t'avais dit, c'était bien la montre. et puis, ouais, on va attendre. Hein. De toute façon, le soleil va bientôt se lever, encore une belle journée. Américoré. Merci. Ok, alors, vous avez vu encore la différence entre le désert et la jungle? Extrêmement sec, extrêmement humide. Tu l'as vu d'ailleurs la différence là maintenant, non? Ouais, bah oui, maintenant j'ai vu. C'est un peu zarbi, hein. J'arrive à voir ton coin. Tu n'as pas bougé. Non, j'ai pas bougé. Ah, je bougerai que plus tard. Tard plus. Ouais, voilà. De toute façon, je me... Ah, zut. Vous avez vu d'ailleurs que le blé a une gueule différente. Mais le truc, c'est que je ferai aussi une boussole. Ah oui. Comme ça, je vais pas totalement quitter l'endroit parce que la boussole, elle indique toujours ton point de spawn. C'est bien. Quoi que tu fasses. Comme ça, j'aurai une sorte d'avant-poste entre la jungle et le désert, ce qui peut être un avantage. Intéressant. Ouais. Pour les ressources, ça peut être un avantage assez intéressant. Intéressant. Si on prend cet accent tout le temps, là... Bah, c'est moi, c'est une habitude que je prends cet accent tout le temps. Le mieux, c'est avec le ping, quand même. Ah, toi et le ping. La lambasse. C'est la lambasse, maintenant. Ouais, mais le ping, c'est quand même bien. Le gars, il fait un crossover. C'est le ping à la lambasse. Ok, d'accord. Et comme j'ai récupéré des os, on va faire
Des os. Des os. Pourquoi je dis des os? On va faire donc de la poudre d'os. Et grâce à ça, on Oh. va. Ah! C'est le mec trop casse-couille. Ah, c'est comment dire, c'est Maître Capello, quoi. À un moment, faut être précis. Bon, à un moment, il faut être chiant, c'est ce que tu t'es dit aussi. Après, les jeunes, ils savent plus parler, hein. Commence à faire son ancien, là. Après, ils se tapent 7 d'expressions françaises à la fac, c'est pas bien. Cette expression française. Ce fut ma note. Ouais, bon, Super saké, hein. franchement, il y a. Franchement, il y a. Comment dire, il y en a qui font pire. C'est vrai. C'était ta première note? Non, mais c'est une sorte de QCM sur des trucs d'orthographe, des règles Ah. absolument immondes. Mais de toute façon, l'éducation française est mal faite. Ça, c'est un fait. Ouais, je suis d'accord. Elle n'est pas, comment dire, très optimale. Et très logique parfois. Enfin bref. On va pas refaire l'éducation française, hein, on n'est pas ministre. J'aimerais, mais. Oh, ça viendra, ça viendra. Ah, t'imagines les cours? Non, mais moi, il serait très bien. Moi, je ferais ça bien, monsieur. Ah, je ne veux pas te contredire. Vous voyez, il sait. Cette étendue de sable à perte de vue. Qu'on appelle la Le s plage. gars qui se fait un film, c'est étendu de sable à perte de vue. Il fait chaud. Si chaud. Puis après tu vois des enfants passer à côté en courant dans l'eau. J'imagine bien la Je scène. crois que je vais mourir de soif. Gars, j'espère que ma femme ne m'oubliera pas. Puis après tu vois sa femme là passer à côté en train de marcher. Puis qu'il est con. Mec, il se trouve des films. Grave. Ok, donc ça me fait en tout un stack de 64 lingots de fer. Avec 6 lingots en plus. Et j'ai combien d'or? J'en ai. Deux. Oh, 20! Voilà, j'avais raison. En divisé par 10 près. Ah ouais, j'ai quand même 64 fils. Ça veut dire un stack de fils, quoi. Et 7 en plus, ça c'est cool. Et je vais me faire plein de lambas. Je vais faire que ça. Lambas, lambas, on va lambasiter. Voilà. Ça me fait 7 pains. Ça c'est fait. Hop. Et hop. Ah, il faut pas que j'oublie de mettre la carotte en sûreté. Attention, c'est très important. Ah, le silex, on s'en fout. Surtout, toujours mettre sa carotte en sûreté. Alors là, on vous le dira jamais assez. Protégez votre carotte, c'est les enfants. En toutes circonstances. En toutes circonstances. C'est un bien plus que précieux. Ah, pire que ça. Qu'est-ce qu'on raconte là? Oh, c'est pas que des conneries là quand même, hein. C'est vrai. On peut se mettre d'accord là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Alors oui, vous voyez ici que d'ailleurs la texture du poisson cuit est différente sur le Painterly Pack. Avant, sur le pack de texture originelle dans Minecraft, le poisson quand il était cuit, ben, il avait toujours une gueule de poisson avec les ailerons, tout ça et tout ça. Alors que maintenant, ce sont des steaks de poisson quand ils sont cuits. Ce qui est beaucoup plus réaliste. Donc là, vous voyez, il y a du poisson cuit et du saumon cuit. Ce qui est bien, c'est ce que je ne savais pas aussi qu'ils avaient rajouté le saumon dans le jeu. C'est pas mauvais d'ailleurs. C'est très très bon. Mais ça coûte cher. Parce que c'est très très bon. Alors, à savoir que je ne vais pas retourner dans la mine abandonnée, hein, j'y vais juste une petite fois, puis après j'y retournerai peut-être. Dans la mine abandonnée. Oui, dans la mine abandonnée. Coquillage et crustacés. Pardon, encore une Encore référence, tu sais, une référence vaseuse. on dirait des vieux. Mais grave. Les mecs, ils ont connu. Mais nous, vous voyez que nous, on a de la culture. Ouais, paye ta culture, mon gars. Bah, c'est de la culture. Écoutez, hein. Nous, on est bien intégrés. Non, mais moi, je ne suis pas immigré. T'es pas rital, toi, peut-être? Si, un petit peu, oui. Voilà! L'immigration italienne, ça te dit quelque chose? En speed. Hein. En speed. Je ne m'associe pas à ces gens-là. Non, mais Rital est supérieur. Hein. Les Italiens, surtout leur cuisine. Ah, ça, c'est bien vrai. Je la préfère même à la cuisine française, pour vous dire. Après, tout il y a des choses bonnes, des choses pas bonnes non, dans la Non, mais vie. tu vois, la cuisine italienne, ça réunit tout ce que j'aime. C'est, il y a la viande, les pâtes, le fromage. Ah ouais. Ça réunit tout ce que j'aime.
C'est pour ça que I love Italia. Les pastas là, à chaque repas, c'est magnifique. Ah ouais, les pastas. Tout ça, c'est magnifique. Franchement, merci l'Italie. Grazie, Buitoni. Pardon. Le cliché. Non, du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, oui, vous avez vu que je suis redescendu donc beaucoup plus bas dans la première grotte que j'avais découverte, si vous vous rappelez, la dernière fois. Parce que je sais que vous allez me demander « Ah, pourquoi t'es pas allé là-bas? Ça semblait regorger de ressources et blablabla. » Vous inquiétez pas, les gens, j'y vais. Ouais, bah voilà, vous avez vu que j'allais me faire avoir par le... Pardon, j'en perds mes mots. Par la lave. Et donc, on va passer plutôt de ce côté-là. Voilà. Tu te rappelles la dernière fois quand je m'étais bien perdu et que j'arrive pas à retrouver la sortie? Ah oui, je m'en souviens. Quand tu sortie. Grave, quand tu vas voir le tas de torches que j'ai mis autour de la sortie, tu vas te dire, il a pas un petit peu exagéré le Funky là? Tellement il a peur de se perdre encore une fois. Par où je ne suis pas passé? Donc là il y a des torches, donc forcément je suis passé par là. Ah là c'est sombre, je pense que je suis pas passé par là. Ah voilà! C'est par ici que je voulais passer exactement. Pourtant, tu passes souvent dans les endroits sombres. Ta femme te le dit souvent. Ça, tu vois, c'est un compliment. Oui, là, vous voyez que c'est déjà une énorme faille qu'on a trouvée. Une énorme faille, magnifique d'ailleurs. C'est l'une des points forts dans Minecraft. Ce sont les failles qui sont absolument superbement bien faites. Qu'est-ce que je vais mettre de côté? Le saumon. Non, pas le saumon, c'est le poisson que j'ai pris, pas le saumon. Le mieux, c'est de mettre de l'argent de côté. Non, il n'est pas juif. Pardon. Dieu donné. Oh, pardon. Oh. Mais que fait Manuel Valls? Mon Dieu, j'ai envie de faire une quenelle. Pardon. A savoir que dans la Funky Steam, on s'autorise pas, comment dire, des barrières de langage. Hein. On est là pour rigoler. Ouais, on s'en bat les couilles. Plaisante. Voilà. Ça, c'est très important à savoir. La Funky Steam, c'est qu'on plaisante. Ouais, c'est la détente. Hein. On s'en bat les steaks. Hein. Ouais. Nous, on ne clive jamais les communautés. On aime toutes les communautés. Voilà, comme on aime cracher sur toutes les communautés. Alors, la sortie, elle est là. Il faut bien que je balise la sortie, par contre. Et vous l'aurez compris, on aime surtout la communauté de l'anneau. Ah, bien joué. Ah, là, j'applaudis. Ah, bien joué. Ah, si je pouvais applaudir, j'applaudirais. Ah, ça, c'est bien joué. Là, j'aime bien, là. Là, j'approuve. C'était en speed, hein. Petite boutade, comme ça. Ah, petite boutarde. Qui est bien placée. Non, là, j'avoue. Bravo. Ok. Donc, c'est vrai qu'on aime tout le monde, hein, les nains, les elfes, les orques. Tous. Tous. Bon, les Uruka, ils sont souvent un petit peu grognons, mais ah, on s'y fait. Ah, les Uruk, hein, je te le dis. Hein. C'est à cause de Saruman, ça. Ouais, c'est ça. Avec sa main blanche. Ça, le proctologue. Forcément, tu m'étonnes qu'il soit grognon. Bah attends, la main blanche quoi. Ouais, la main blanche aussi. Le gant et tout, on a compris. Ah, hein. Je vais devoir faire un aller-retour les gens parce que je vais devoir prendre des torches. Je suis désolé, mais il y a de quoi être grognon. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable comme truc. C'est pas faux. La main blanche de Saruman. Quel pervers celui-ci. T'as la version 18 plus version du Seigneur des Anneaux. Oh yeah. Saruman qui arrête devant Gandalf là. Est-ce que tu la sens ma main blanche? Tu fais un petit montage avec les yeux écarquillés de Gandalf. Grave, mais what? Alors ça fait combien de temps de vidéo d'ailleurs? Ça fait une demi-heure, pas beaucoup hein, ça va. Nickel. Ah ouais. Mais oui. Ah. 31 points d'XP, ça c'est bien, ça, je vais pouvoir faire des enchantements sympatoques. D'ailleurs, je vais tout de suite, je pense, aller chercher de l'Obsi. Pour faire la table d'enchantement. Enfin, j'hésite un peu quand même. De l'obsidienne? Ouais. Ah ouais, c'est vrai que t'as un truc en diamant. Ouais. Parce que sinon, c'est la merde. Ah bah... Il me reste quand même que 3 diamants, ce qui n'est pas beaucoup. Et ouais. Donc bon. Attends, est-ce que j'ai au moins j'ai du bois?
Ah non, je crois que j'ai utilisé tout le bois. Bon, Ah, le con! je vais devoir chercher du bois dehors, mais le truc c'est qu'il fait va faire bientôt presque nuit. Est-ce que j'ai une hache? Je n'ai pas de hache.